Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test d'une démo d'un jeu qui s'appelle Monochroma. Donc c'est un jeu qui est sorti le 28 mai 2014 et qui est produit par Nowhere Studio, qui est un studio turc d'une vingtaine de personnes. Donc quand j'ai vu sur Steam la description, les images, je me suis dit putain, ça va être un super jeu. Ça va être, je suis dans ma période puzzle plateforme. Donc je me suis dit, bon, je télécharge, je vais voir ça, ça a l'air sympa. Et puis finalement, bah, c'est pas top top quoi. Hein. Parce que là, je viens d'essayer en plus Tesla Grad. Donc j'ai fait une vidéo juste avant. Et c'est vrai que le contraste est assez frappant au niveau du gameplay. Et de l'ambiance. Bon, c'est complètement différent, mais on va voir que il y a des petits défauts qui font que le jeu est quand même moins bien ici sur Monochroma. Donc d'après le site de monochroma.com, ils appellent ça un cinematic puzzle platformer. Donc puzzle platformer, bon, je crois que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc c'est un jeu de plateforme où on doit résoudre des puzzles pour avancer. Les cinématiques, eh bien, je sais pas trop en quoi ça fait référence, peut-être au côté contemplatif du jeu. Voilà, là on commence le jeu avec une petite série d'épreuves plutôt simplistes et plutôt bon enfant. D'ailleurs, on joue le rôle d'un enfant. En arrière-plan, on a le frère de cet enfant avec son cerf-volant, donc c'est plutôt naïf, plutôt mignon. Avec une petite musique d'ambiance plutôt mignonne aussi. On est dans une ambiance dystopique des années 50 qui mélange un peu aussi le futur rétro, donc c'est un petit mélange de tout ça. Un univers agricole, on va arriver ensuite dans une usine chimique, va y avoir une scierie aussi juste après. Donc voilà, un univers assez sombre. Et donc oui, je disais, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, de puzzle platformer, voilà, Monochroma. Donc le jeu, voilà, commence un petit peu maintenant. C'était plutôt une mise en jambe avant. D'ailleurs, la musique va complètement s'arrêter ensuite, laissant place au bruitage. Un peu ennuyeux d'ailleurs même. Donc oui, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, bah, ça ressemble beaucoup au jeu Limbo, qui est sorti en 2011 sur Xbox et sur PC. Attention, alors là, le moment fatidique du scénario. Voilà, alors là, le petit frère vient de se casser la gueule du doigt. Et donc il va falloir le porter pour continuer notre aventure. Et ça va être ça un petit peu le challenge du jeu. Il va falloir résoudre donc les puzzles en trimballant son petit frère comme un boulet. Alors on peut le déposer, mais seulement dans un puits de lumière. Donc comme ici, dans le noir, on peut pas le poser. Et donc voilà, donc là on a un espèce de tableau, une peinture on va dire, dans laquelle il va falloir résoudre le puzzle pour pouvoir faire passer notre petit frère au-dessus du wagon qui est renversé. Puisque voilà, quand on porte notre petit frère, on a moins d'aisance dans les mouvements, on saute moins haut, on saute moins loin. Donc voilà, il suffisait de poser son frère, de monter en haut pour faire tomber une caisse, reprendre son frère, et de finalement monter tranquillou pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc voilà, ça va être ça un petit peu le but du jeu, ça va être de traverser les niveaux qui sont en continu, hein, c'est assez linéaire, pour étrimballer son petit frère. Donc là, un petit truc rigolo qui est plutôt marrant, puisque quand j'ai essayé le jeu, voilà, je suis mort la première fois ici. Et je pense que tous les joueurs qui vont essayer le jeu vont mourir ici s'ils n'ont pas vu de let's play avant. Donc voilà, on pose notre petit frère, on pense qu'il faut monter en haut. Et donc la mort plutôt sympa et plutôt rigolote, voilà, il y a des morts plutôt sympas en fait.
Voilà, on balance un wagon rempli dans la gueule du petit frère, donc c'est plutôt comique. Et alors voilà, ici on arrive donc dans un des problèmes du jeu. C'est bon là, en l'occurrence, c'est la première mort. Mais ensuite, ça va être un petit peu comme ça tout le temps. C'est à chaque fois qu'on meurt, il y a un laps de temps qui est assez important et qui est vraiment casse-pied. C'est bien 10 ou 15 secondes hein, qu'il faut compter pour pouvoir recommencer. Et le problème, c'est que c'est un jeu qui est quand même assez die and retry. Hein. Donc voilà, faut crever pour essayer, pour trouver la meilleure, pour trouver la solution. Et donc à chaque fois qu'on meurt, ben, il y a au moins 10 ou 15 secondes de perdu et où on attend le chargement. Donc bon, c'est un petit défaut qui fait que le jeu est quand même très très lent. D'ailleurs, vous le voyez sur les images, hein, les déplacements sont très lents. Résoudre des puzzles, c'est aussi assez lent. Là, en l'occurrence, bon, je connaissais la solution parce que voilà, j'avais crevé juste avant. Mais vous voyez que c'est quand même assez lent. Alors au niveau du gameplay. Donc on a le saut, on a les barres d'espace pour porter son petit frère, la barre d'espace aussi pour le reposer. Les sauts sont pas très très précis, hein, les contrôles sont assez délicats, c'est pas toujours évident. On voit aussi que les animations sont plutôt moyennes, les animations du grand frère là, du héros. C'est pas très très joli quoi, même quand il saute, quand il se réceptionne. C'est assez moyen, mais sinon ça reste dans une ambiance qui est plutôt sympa, univers un peu noir et gris. Et vous avez remarqué donc qu'il n'y a que la couleur rouge qui apparaît. Donc comme le gamin là, il a son écharpe rouge. Et il y a plusieurs autres objets dans le jeu qui sont en rouge. Donc c'est la différence avec le fameux jeu Limbo qui est sorti en 2011 donc. Donc je vous mettrai quelques images pour vous montrer un petit peu la différence ou la pas différence justement. À part cette couleur rouge. Alors je sais pas, le studio turc a dû voir la description de Limbo. Ils ont vu un univers monochrome et mystique. Alors ça y est, on va appeler notre jeu Monochroma. Donc c'est comme ça qu'à mon avis est venue l'idée. Hein. Ils s'en cachent pas non plus. Hein. Ils ont dit déjà que c'était un des jeux de leur jeu préféré, Limbo. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un petit peu ce jeu monochroma sur le même principe. Donc voilà, on passe à une étape suivante. Donc ici intervient des interrupteurs qu'il va falloir actionner pour faire marcher donc des mécanismes qui se trouvent souvent, même tout le temps, dans des puzzle games, platformer. Donc voilà, ici j'avance le wagon, j'actionne la manette pour faire avancer le plateau qui est en haut et pouvoir passer par l'échelle qui est à droite. Donc voilà, ça reste des puzzles assez simples, qui sont pas très très recherchés, même après, hein, c'est pas non plus des puzzles de fou quoi. C'est pour ça qu'en fait ce jeu va devenir assez ennuyeux. Déjà au début, vu la lenteur, bon, on est admiratif devant les graphismes, hein, c'est quand même assez joli. L'univers, l'ambiance, là il pleut beaucoup, c'est assez sombre. C'est plutôt sympa. C'est un univers dystopique très très lugubre. Mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à s'ennuyer assez rapidement dans ce jeu qui est pas très très réactif, pas très rapide quoi. Alors bon, ça reste un puzzle game, hein, faut y aller mollo, mais je prends encore la comparaison avec Tesla Grad, dans lequel on pouvait quand même accélérer le jeu par nos mouvements et par le gameplay qui nous faisait aller beaucoup plus vite. Là, c'est assez lent. Donc voilà, on parcourt des chemins et on arrive dans des puzzles. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Voilà, des petits niveaux entre les niveaux où il faut parcourir sur les toits et accéder donc au prochain puzzle. Donc ici, on est dans une scierie où va y avoir donc une manette à actionner, qui va faire rouler les billes de bois dans un feu ou dans une scie. Donc là je suis mort plusieurs fois parce que c'est pas évident de se mettre bien comme il faut. Vous allez voir donc une des morts puisque j'ai coupé au montage les autres morts pour pas faire une vidéo non plus trop trop longue. Parce qu'en fait j'avais peur que ce jeu soit trop ennuyeux pour faire une vidéo. Mais bon,
Donc pour la physique aussi, la physique des mouvements, donc comme j'ai dit, c'est assez approximatif, c'est pas évident à maîtriser son perso. Donc ici c'est un peu le cas sur cette phase. Voilà, on se coince souvent derrière le bout de bois, ou carrément on chute tout en bas. Comme des grosses merdes, quoi, on s'écrase lamentablement. Donc voilà, des contrôles approximatifs qui sont assez difficiles à prendre en main, qu'on aura du mal à prendre en main de toute façon. Va falloir faire avec. J'ai même eu un bug à un moment, j'étais coincé derrière une caisse. Bon voilà, c'est des petits bugs à la con. On va pas non plus juger le jeu que sur ça. J'en ai pas vu d'autres. Donc la bande son, comme vous l'entendez, c'est une ambiance, on entend le vent, la pluie. Donc c'est assez sombre, hein. C'est un univers assez naïf. Limite touchant en fait, l'histoire des deux frères en fait qu'il faut faire avancer, surtout l'un portant l'autre. Donc c'est assez mignon, voilà. Voilà, il faut se mettre sur le billot et donc s'agripper à la lampe et non pas tomber comme une merde, comme j'ai fait 4 ou 5 fois avant de réussir ici. Donc on voit l'écharpe rouge. Ça rappelle un peu le film La Liste de Schindler où il y avait qui était en noir et blanc et il y avait une fillette qui avait une robe rouge aussi. Oui, donc ici il faut en fait poser son petit frère à la lumière. Sinon c'est pas possible de le poser au sol. Et donc baisser l'échelle. Donc voilà, le jeu va se présenter un petit peu comme ça dans cet univers naïf et sombre. Plutôt sympa, plutôt original. Mais le jeu va avoir quand même pas mal de défauts, le rendant un petit peu ennuyeux, comme je vous ai dit nombreuses fois là, plutôt lent. C'est pas très rapide comme jeu, hein. Mais ça reste quand même un très bon jeu, un gameplay original, qui se laisse essayer, on a envie de voir un petit peu plus loin ce qui va se passer, comment vont être les puzzles. On va crever 3 ou 4 fois au niveau des puzzles et on va perdre 10 secondes à chaque mort. Donc ça c'est un petit peu pénible aussi. Donc là on se retrouve dehors la Syrie. On va arriver donc dans une ville où il va y avoir donc une station essence, où il va y avoir un autre puzzle que je vous laisserai découvrir si vous essayez d'y jouer. C'est un jeu qui est téléchargeable donc sur Steam en version démo. Un jeu essayé, qui est plutôt sympa, mais bon, je vous conseille quand même Tesla Grad, qui est beaucoup mieux réussi. Et donc, je vous dis à bientôt pour un prochain test, un prochain jeu en version démo sur ma chaîne Opium Testing. À bientôt! Ciao!